Mais alors, un bug? Non, pas maintenant, j'ai du boulot. Ok. Cet air, je l'ai composé il y a longtemps. En touchant un objet, tu vois les événements qui lui sont associés. Tu ressens son passé. C'est un écho dans la force liée à cet objet. Peu de Jedi ont cette capacité. Comment vous savez ça? J'ai été un Jedi. Mais plus maintenant. Est-ce qu'on se connaît? Non. Mais je connaissais ton maître, Jarro T'Pal. C'était un vrai gardien de la République. C'était un vrai héros. Écoutez, il m'est arrivé quelque chose pendant la purge. J'ai survécu, mais ma connexion à la Force a été endommagée. En méditation, si jamais je baisse ma garde, je perds le contrôle. J'ai l'impression de revivre ce moment où... Tu es vivant, Cal. Et tu n'es plus seul. C'est terminé. On approche de notre destination. Où va-t-on? Voici Bogani, un Jedi que je connaissais à la découverte avant la purge. Tu ne la trouveras sur aucune carte. L'Empire ne sait pas que cet endroit existe? Non. Alors, quel est le plan? Se cacher ici? On ne se cachera plus, Cal. Tu vois ce bâtiment là-bas? Je pense que ce sanctuaire renferme la clé pour recréer l'ordre Jedi. Mais seul quelqu'un qui maîtrise la Force peut réussir cette épreuve. Et comme vous n'êtes plus Jedi, vous avez besoin de moi. Je sais que tu ne me fais pas confiance. Et moi aussi, j'ai encore des doutes à ton sujet. Mais nous avons un adversaire commun. Et une cause commune. Je t'en dirai plus quand tu auras rejoint le sanctuaire. Mais bon, en attendant, j'aimerais que tu rencontres quelqu'un. Que la Force soit avec toi. Young Padawan. Ça doit être un Jedi que je cherche. Mais s'il y en a déjà un ici, pourquoi Serré a besoin de moi? Alors, l'endroit a l'air sûr pour méditer. Il faut seulement que je me concentre. Salut. Bonjour. BD1. Moi, c'est Cal.
Ouais, ça va. Mais je voudrais trouver quelqu'un. Non, pas toi. Je recherche un Jedi, je crois. Attends, tu le connais? Qu'est-ce que tu sais? Hé, t'en vas pas! T'as piraté ce truc? Merci. Le sanctuaire dont Cérée m'a parlé. Celui que je recherche doit se trouver ici. Une suggestion? Il faut que je parvienne à franchir ce gouffre. Par là. Une tyrolienne? Comment t'as su que ça marcherait? Hein? Tu savais pas? On va méditer. Attention là-bas! Ça a l'air dangereux. C'est pareil qu'à la décharge. Cassé. Ah, c'est pas le bon bouton. Hey, c'était plutôt courageux. Ça va pas? Attends, je peux peut-être t'aider. Tu veux bien? Oh. D'accord. Voyons. L'interconnecteur m'a l'air HS, mais ça devrait t'aider à te déplacer pour l'instant. Et voilà. Et c'est ça. Le sanctuaire? Ouais, c'est là-bas que j'allais. Ok, alors. On doit d'abord trouver un moyen de sortir d'ici. Je peux pas te laisser. C'est étroit, mais ça devrait aller. Ouais, j'aime bien bleu. BD, c'est un peu étroit pour moi. T'en fais pas. Je trouverai bien une autre sortie. On dirait que ces plantes mènent quelque part. Faut pas qu'elles lâchent. Allez, hop, on grimpe. C'était pas une bonne idée. Je pense que c'était prévu. Je vais m'en remettre. Ah. Hein? Estime de soin. Toi, t'es plein de ressources. Ça, ça fait du bien. Merci, petit droïde. Ok, on va réessayer. Ok. Oh, tout le monde à bord. Bon, d'où tu débarques? Tu te souviens pas? Un droïde peut être amnésique. Oui, tu marques un point.
Ok, donc là, j'ai déverrouillé un truc. Hé, un coffre. Tu crois que le Jedi ne laisserait lui servir? T'as trouvé quelque chose, BD1? Un émetteur. Je viens de là et je pars par là. C'est là qu'on doit aller. Je peux le sentir. On peut pas passer, est-ce qu'on peut monter là? Non. Ah, ça en est beau. Où est-ce que tu vas? Qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? Un poncho. Ok. On est sorti à l'écoute, c'est quoi ça? Cet outil a servi à quelqu'un pressé d'aller au sanctuaire. Scanner. On doit s'enfuir. Taillou. Ah. Pas monter, non. Et... Ah non. BD1, par ici. Pas une pièce. Tu vois quelque chose? Ouais, faut marcher sur le mur. Essaie encore. C'est difficile, maître. Oui, je sais, cette voie n'est pas facile. Elle peut même te sembler impossible. Mais la persévérance et la force sont d'excellentes alliées. Elles t'aideront à surmonter tous les obstacles. Ta maîtrise sera totale. Maintenant, fais ton possible pour m'atteindre. D'accord. J'ai réussi. La persévérance et la force sont mes alliés. J'ai une mur strié. Je me rappelle juste de quelques trucs. Mmh.
Ah, ok. J'ai compris. Hop. Et là. Voilà. Tu peux me remontrer ce raccourci ? Ok. Bon, hop. On a réussi à ressortir. Ah putain, je tombe. Ah ouais. Là, ils ont bouffé. Alors, c'est un sacré insecte. Tu veux venir sur moi, ou deux? Ah oui, c'est vrai qu'on scanne chaque fois. Merci, BD1. Splox. Fox. Il a peur. Accroche. Moi, je rêvais pas, lui. Tu peux pirater ça? Navré pour ton connecteur. Mais faire face à ce bograte, fallait oser. On est de cerveau obtenu. Il ne peut pas pirater ça. Donc. C'est une grosse créature, elle se réveille, c'est pas bon. Alors, on verra les statues, mais là, ce coup-ci, je peux sauter, donc c'est bon. On fait la course? C'est parti! Allez. C'est pas encore fini. Ok, d'accord, t'aurais probablement gagné. Probablement. On va méditer parce que j'ai plus... Pas que... ça pour avoir un peu de lumière. Impressionnant.
Ouais, mort, très mal isolé. Qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que ça va, BD? Bien joué, qui que tu sois. Tu as brillamment passé mon épreuve. Merci. Tu es digne d'accéder au sanctuaire et à cet enregistrement qui est l'un des nombreux fichiers cryptés qui se trouvent dans ce droïde. Je suis Maître Eno Cordova. Ton nom m'est peut-être inconnu, mais je connais bien ton objectif. C'est sur tes épaules que repose le destin de l'Ordre Jedi. Ce temple, ce sanctuaire est un endroit sacré, bâti par une ancienne civilisation qu'on appelait les Efo. En méditant en ce lieu, j'ai eu comme une prémonition de la Force, une vision de mort. J'ai dissimulé un holocron Jedi au sein de ce sanctuaire. Les noms de tous les enfants de la galaxie sensibles à la Force et leurs emplacements se trouvent dans cet holocron. La chambre intérieure du sanctuaire est juste devant toi, mais une autre épreuve t'attend. Je ne peux confier cet holocron qu'à une personne qui a su suivre mes pas et qui me comprend. Il te faudra trouver les tombeaux cachés des trois sages et apprendre à percevoir les mystères de la Force comme l'ont fait les Efo autrefois. Dans ce droïde, tu trouveras ce dont tu as besoin afin que ta quête soit couronnée de succès. Va sur la planète des Efo, et là, tu y trouveras la paix au cœur de la tempête. Bonne chance, Jedi. Et que la Force soit avec toi. Tout ça pour ça. T'aurais pas pu me le dire avant, connard robot. J'imagine que tu es celui que je devais retrouver. Merci. Tu sais, ça fait longtemps que... je suis tout seul. Je me cachais. Sans but précis. Isolé. C'est pas une vie, tu sais. Pas pour un Jedi. Ou un droïde. Peut-être que Serré avait raison. Il ne faut plus se cacher. Hé hey, tu aimerais que je te présente... quelques-uns de mes amis? Eh ben allons-y alors. On repart, c'est ça? Super. Je me casse. Mais alors, un bug ? Ouais, il veut pas longtemps.
J'ai besoin d'aide. Qu'est-ce que c'est? Ogdo. Loulou. Il est passé où Squelette mystérieux. Je pense que c'est là. Ok, je vais voir ça. Mon ami, il semble que les effets portaient de l'intérêt à Datomir. C'est étrange que cette civilisation aussi pacifique soit fascinée par un endroit si sombre. Découvrir Datomir. Ah, par là. C'est quand même très linéaire. Du coup, il y a des trous, j'avais pas vu les trous. Je vais aller voir. Un tunnel bowling. Ça y est, tu as réussi. Vous étiez au courant pour BD1? Monte à bord, et on va en parler. Oh, BD1, ça c'est Grise. Salut Grise. C'est quoi ça? Vire-toi mon canapé. Ouche, descends de là. Allez, fiche le camp. Allez. Ça, c'est BD1. Il est avec nous. J'en ai rien à faire. Est-ce que tu sais à quel point c'est compliqué de nettoyer des taches d'huile sur du tissu en poils de potoli? Non, pas vraiment. Oh, j'espère que tu nous as ramené autre chose que ce droïde. Oh, du calme, Grise. C'est le cas. Vas-y, Cal. Le sanctuaire a été construit par une ancienne civilisation, les Efaux. Un Jedi nommé Eno Cordova y a dissimulé quelque chose. Et qu'est-ce qu'il y a caché? C'est un holocron des archives. Contenant une liste d'enfants sensibles à la Force. La prochaine génération de Jedi, je le savais. Ah, Cordova, vieux brigand. Vous le connaissez? Oui. Il y a bien longtemps, j'étais son apprenti. Cordova était solitaire. Ce petit droïde et moi sommes sans doute les seuls à savoir pour Bogano. Oh là, attendez, attendez. Un holocron? Un holocron. Ils contiennent des données auxquelles seul un Jedi peut accéder. Attends, je crois que j'en ai un quelque part. Utilise la Force. Ici Maître Obi-Wan Kenobi. J'ai la grande peine de vous annoncer la chute de la République et de l'Ordre des Jedi. Avec les enfants de cette liste, nous pourrions reconstruire l'Ordre Jedi et renverser l'Empire. Ok, pas de problème. Allons-y! Oui, mais l'holocron se trouve caché au cœur du sanctuaire et il faudra suivre Cordova pour l'obtenir. Je crois qu'il a évoqué la planète Datomir et le monde natal de ses effets. Ok, très bien. Alors où on va? Je demande ça parce que je pensais me mettre au fourneau. Écoutez, avant que nous agissions... On va manger avant.
J'ai besoin de savoir. Pourquoi avoir quitté les Jedi? À cause d'une expérience qui a changé mon point de vue. J'ai dû rompre mes liens avec la Force. Mais vous voulez reconstruire l'Ordre? Je crois que reconstruire l'Ordre est notre seule et unique chance de rivaliser avec l'Empire. Et toi, qu'en penses-tu? Je pense que je ne peux plus continuer à me cacher de l'Empire, donc il ne me reste pas beaucoup d'options. Cal, tant que tu vivras, tu auras toujours le choix. Tu es partant? Oui. Sinon, l'histoire s'arrête là, donc... D'accord. Datomir ou Zepho, c'est toi qui décides. Alors, Datomir ou Zepho? Ici, le table. Et maintenant, direction... Non, c'est pas ça. Échappe à notre planète. Alors... Zepho, Bogano, Datomir. Ouais, moi, je suis pour qu'on aille à Datomir. T'imagines qu'on peut aller sur Datomir? Allez, on met le cap sur... Attends, tu veux aller sur Datomir? Étrange que Cordova y soit allé. Il devait avoir une bonne raison. Une fois sur place, moi, je quitte pas le Mantis. Le soleil rouge, c'est très mauvais pour la peau. Ce lieu abritait une puissante cabale d'utilisatrices de la Force, appelées les Sœurs de la Nuit. Elles maniaient la Force? Quoi? Comme les Jedi? Non. Elles servaient leurs propres intérêts. Leur pouvoir n'était que mensonge, illusion, manipulation. Durant la guerre des clones, les Sœurs de la Nuit ont attaqué un... Ah bah oui, faut que je reste là-bas, parce que c'est discute. Hé, hey, Grise, c'est quoi ce truc? Quoi?